can make a man dream, can make him lie awake at night and figure and scheme. He dreams of fame, he dreams of gold, and now and then he hankers for a woman to hold. When he's a boy, life follows a plan, but here in these thousand hills, the boy becomes a man. The moon, when it's pale, lighting the trail, tugs at his heartstrings. He learns to live and learns to love these thousand hills. The moon, when it's pale, lighting the trail, tugs at his heartstrings. He learns to live and learns to love these thousand hills. These thousand hills. Voilà le patron. Il a pris son temps pour venir. Il reste du café? Bien sûr, patron, il y en a plein, servez-vous. Café? J'ai fini de marquer le bétail, je ferai tous les chevaux, patron. Bon. Voici Lat Evans de Pendleton. Il vient avec nous. J'ai jamais vu un chef de convoi se souvenir d'un nom. Il m'appelle Carmichael. Je me souviens très bien des noms. Ce sont les visages qui me possèdent. Le cuistot, par exemple, il s'appelle Sally. Comment ça va? On sera potes si tu flanques pas de poussière dans mon fourbi, si tu rouspètes jamais pour la soupe et si tu m'appelles pas Sally. Mon nom, c'est Jacob Schmidt. Très bien. Je m'appelle Godwin. Salut. Tom Ping. Bonjour. T'es cavalier? Bah, j'aime pas la marche. On a 40 bourrins à mater. Monsieur Butler, qu'est-ce qui pèle mieux, mener le bétail ou être dresseur? Bah, dresser les bourrins. J'ai pas fait tout ce chemin pour un boulot qui paie moins. Alors décèle cette mule et choisis-toi une bête dans l'enclos. Il te faut un cheval. Bon. Hé, hey, attendez un peu là-bas. Hey, je me charge de la selle. Occupe-toi de ton lasso. Merci. Il y en a qui sont pas commodes. Tu veux quand même essayer? Bien sûr. Tout ce qu'il peut me faire, c'est me foutre en l'air. Donne-nous un coup de main, père. Ce grand noir avec la tache, là, Sugar, ce sera pas facile à mater. Ou cet alezan. Lequel tu prends? Je crois que je vais prendre le grand noir. Mate ce cabochard et il est à toi. Thank you.
Doucement, doucement, mon gars. Là. Attention. Doucement, doucement. Attention. Là. Hop, doucement. Doucement. Allez, vas-y maintenant, vas-y. Adossé. Tu t'es dompté un bon cheval. Oui, foutu en l'air un bon ragoût. Je t'engage comme dresseur, Latte. Monsieur Butler, combien me paierez-vous pour les deux boulots? Les deux? Oui, je pourrais les faire. Dresser les chevaux et mener le bétail? Tu dormiras pas bien souvent d'ici à Fort Braque. J'ai pas les moyens de dormir. Vous croyez pas que j'y arriverai? Si, pourquoi pas. Tu dormiras quand tu seras vieux, disait mon père. Il a des ailes, ton canasson, hein? Et je l'avais même pas poussé. Ah, pour bien vivre, moi, j'ai envie de me mettre voleur de chevaux. C'est ce que disait le gars qui est en tôle. Bah, tu crois peut-être que les grands ranchs, ça a des débuts honnêtes? Comment ils démarrent? Mais par des vols de chevaux. Oui, un jour, un gars dans Gold Creek m'a montré comment. Il suffit d'un couteau à cran d'arrêt ou d'un fer, il n'y a plus qu'à changer la marque. Il y a bien un moyen de devenir riche sans voler. Ah, c'est ce que disait le gars qui est à l'hospice des pauvres. Est-il minuit. Ce ne sera plus long. Adieu, vache. Salut, Fort Braque. Qu'est-ce que tu prends qui diront? Je répondrai brune, blonde ou rouquine. T'as jamais chassé le loup? Pourquoi? J'écoutais ce que Chico disait. Il s'est fait $1000 en un hiver rien qu'avec des peaux de loup. Fichue manière de gagner sa vie. Tu en connais le plus drôle? Un travail dur, ça me fait pas peur. Ce que je veux pas, c'est mourir pour. Tu as vécu pauvre, hein, c'est ça? Mon vieux père avait un ranch au bord du Willamette. Il a fait faillite. Il a la vache enragée, comme vous faites. J'ai pas l'intention de finir comme lui, en raté.
à me cacher derrière la Bible et prétendre que le fric n'a pas d'importance. Tu le détestes, ton vieux. Oh. Papa regardait jamais les choses en face, c'est tout. Moi, c'est différent. Moi, je vais avoir mon ranch. Et je saurai le faire marcher. Je le ferai marcher. Qu'est-ce que tu en penses, Tom? Rien qu'un hiver, on chasse le loup et on gagne plus de fric qu'à passer 6 mois à garder les vaches. On tue un pauvre buffle, on lui flanque de la strychnine dans le ventre, et puis on attend que le loup s'approche de lui, le bouffe et en crève. Non, c'est du fric vite gagné, mais c'est pas propre. Bah, qu'est-ce qu'il a de pas propre, cet argent? Non, je marche pas. Je vais pas passer un hiver à me geler les pieds. Tu feras mieux de te trouver un autre compagnon. Hé, hey, vous deux, vous allez pas la fermer un peu? Mais on fait la relève. Ces mecs-là, ils peuvent pas cracher sans en faire toute une histoire. Aïe. Alors, mets des bouteilles et des verres. Tu dois deux verres, Michel, et tu les auras. Je fais confiance, mon gars. T'en paies un et moi l'autre. Oh, Fatih, il y a de la souris par là? Ah oui, un peu. Là, Fatih me dit qu'il y a des filles dans le patelin. Si on allait leur rendre visite, hein? Ah, des femmes. Tu penses qu'à ça, toi, aux poupées? J'y ai l'esprit porté tout naturellement. Mais ils portent pas loin. Et d'abord, on boit. Attends d'avoir de la barbe au menton. Mon vieux père me disait toujours, tu n'es jamais poussé sur la gueule ce qui pousse tout seul ailleurs. C'est du bon père, ça. Salut tout le monde. Turpin n'est pas venu? Non, j'ai eu. Eh ben voilà comment c'est aujourd'hui. Autrefois, je me rappelle, la parole d'un homme avait un sens. On ne disait pas une chose pour en faire une autre. Pardon, messieurs, je ne voulais pas interrompre votre petite fête. J'offre à boire. On parlait de femmes, simplement. De femmes? C'est un sujet limité. Personne ici ne parle de chevaux? Oh, si, un peu, pourquoi? Eh bien, un certain Turpin s'est procuré une pouliche rapide, du moins c'est ce qu'il disait. Je suis venu de mon ranch pour lui faire la course, mais il a eu la frousse, il me semble. J'ai un cheval indien, je parie n'importe quoi qu'on ne le battra pas. En or ou billet de banque, à égalité. Fixez votre chiffre et la date. J'ai l'impression que ça n'intéresse personne. Au revoir tout le monde. Hé, hey, une petite minute. Dis donc, Fatih, qu'est-ce qu'il a comme cheval? C'est un Appaloosie. Rapide? Bah, personne ne l'a encore battu. Eh bien, les gars. On a un vieux cheval qui galope pas trop mal. Où est votre animal? Dehors. Ah, cette grosse brute que j'ai vue en venant? C'est ça. Qui est-ce qu'il monte? Le petit gars là-bas. Qu'est-ce que tu en penses, Lat? Tu marches? Allez, Lat, te dégonfle pas. Si j'accepte, tu viens chasser le loup avec moi cet hiver? Mais oui, bien sûr, mon gars, tout ce que tu veux. Tu me le jures? Sur une pile de Bible. C'est d'accord. Ben, c'est votre fric après tout, hein? Qu'est-ce que vous pariez, les gars? 600 yards aller et retour. Ah, moi, je parie 100 dollars. Moi aussi. Moi aussi. Les autres sont aussi téméraires? Plus encore, moi, je joue tout mon pognon. Eh bien, et toi, le cavalier? Tu paries ou ton pognon à la trouille? Vingt-cinq. Ah, bon, les gars, on va fermer les noms. Ici à genoux. Faudra pas pleurnicher après, hein. Penses-tu? Butler, 100 dollars. Alors, dégagez! Allez, les gars! Allez, ne restez pas là, dégagez un peu! Bonjour, messieurs. On s'est pas mis d'accord pour le starter. Ce sera un départ loyal. Très bien.
Le jockey indien ne pèse pas 40 kilos, même avec son wigwam sur le dos. Ouais. Eh bien, je ferais peut-être mieux de retirer la selle. J'aurais aimé que le parcours soit plus long. Tu as un joli tas de pognon sur toi, mon gars, ne l'oublie pas. Et surtout, serre à la corde au virage. D'accord. Bon, alors au départ. Allez, dégagez la piste. On ne peut pas rester sur le parcours. Déloyal que j'ai jamais vu. Je vous défends de me toucher. Le noir a gagné. Qui est-ce qui a dit ça? C'est moi, j'ai eu. Oh, monsieur Conrad. Malgré vos combines, le vainqueur, c'est lui. Là, ton cheval a gagné, là. On est riche. Ton cheval a gagné. Vous voulez quelque chose, mademoiselle Cali? Non, merci, Happy, non, rien du tout. Bon. Je passe. 50 de mieux. Hé, hey, là, j'ai un drôle de coup de veine par ici. Amène-toi. Et vas-y, mon gars. Oui! Hey Jen, je te présente mon associé, Lat Evans. Il est charmant, aussi bien à pied qu'à cheval. Tu peux trouver une copine pour mon copain? Mais oui. Allez, viens, on va boire un coup. Dis, ça n'a pas l'air mal ici. Salut les gars! Bienvenue dans mon établissement. Ici, on rigole bien. Qu'est-ce que vous allez boire? Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la boîte? Champagne. Bah, comme on dit, plus il y a de fous, plus on se marre. Amenez une bouteille. Happy, apporte une bouteille de champagne pour ces messieurs et grouille-toi un peu. Il y a une bonne table où vous serez très bien là-bas. Vous y serez comme chez vous. Et si vous faut quelque chose, dites-le. Je vous servais à votre table, messieurs. Salut, Ram. Ça va? Salut, Tom. Salut, les gars. Tom, hein? Tu n'oublies pas notre accord, n'est-ce pas? Quel accord? Pour la chasse au loup, tu tiendras parole. Bah, je t'ai déjà dit oui, pas vrai? Demande à tout le monde, moi quand j'ai dit oui, c'est oui. Eh bien qu'on rigole un peu. Monsieur Cali, là, Tom. Enchanté. Je vous ai vu faire la course. Oh, c'est vrai? J'avais peur que vous soyez blessé. Non, un coup de sabot sur la tête. Il n'y a que là qu'on peut cogner sans crainte sur un vacher. Champagne, messieurs. La temporisation. Regardez-moi ça. Merci. À la santé d'Albert Galatine Evans. Sans lui, nous n'aurions pas eu le plaisir de faire votre connaissance, vu que nous serions complètement fauchés. Champagne? Oui. J'en avais une caisse à New Orleans. Ça, c'est une ville.
Oh, il n'y a pas plus de choses à New Orleans qu'on en a ici. Et ici, c'est plus près. Il paraît que votre équipe fiche le camp demain. C'est les autres qui partent, pas nous. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Bah, d'abord, on va finir ce champagne. Et puis... Il est J'ai besoin d'un cavalier comme toi. Non, merci. 80 par mois, le gîte et le couvert. Oh, un mois, c'est trop court. Ça fait près de 1000 dollars par an. Ah non, c'est trop long. Ça ne fera pas long feu, ton gain. Je connais les vachers. Ils arrivent riches et repartent fauchés. C'est une voie naturelle. Ah, je peux peut-être changer ça. Toi, tu manques pas d'estomac, hein, mon petit gars? Oh, je digère bien. Bah, prends garde. On attrape vite une indigestion. J'avais pensé que toi et moi, on irait souper ensemble. Pas ce soir. Eh ben, deux fois aujourd'hui que je parie sur le mauvais cheval. Tu peux dire que t'as de la veine, mon petit. Mais voilà. Ça durera-t-il? Je crois que ça durera. Allez, là, tu vas pas te laisser abattre, mon gars. Les petites voudraient rigoler un brin. Oui, merci. Et puis, apporte-nous notre bouteille. Asseyez-vous, je prépare un verre. Qui fiche le camp demain matin? Je sais. Butler, c'est le chef du convoi. Il doit rentrer au Texas. Ah oui? Oui. Je pense que je vais rester quelque temps ici. Un des copains dit que les peaux de loup, ça peut valoir dans les 100 dollars pièce. Il dit qu'on peut attraper jusqu'à une centaine de loups avec un seul appât. C'est vrai? C'est ce que le copain prétend. Tom vient avec moi. Chasser le loup, je veux dire. C'est bien ça. Faites comme chez vous, installez-vous bien. Je reviens tout de suite.
Eh ben, on ferait bien de se mettre en route. Mike. Ah, je ferai un bout de chemin avec vous. Bon. Je te souhaite bonne chance, Lat. Merci, Ram. Merci pour tout. Pas la peine de me remercier. Mais n'oublie pas, mon petit, les gens changent. Qui les change? L'homme qu'on rencontre, le coup de dé du destin, la fille qui t'a roulé, l'ami qui trahit, tout ça s'additionne. Personne ne finit comme il a commencé. L'équipe fiche le camp, hein? Chaque fois qu'une équipe me laisse tomber, j'ai envie de boire un coup. Encore un verre. Bois, mon gars. Tu prends un moineau. Oui, mon pote. Ça guérit toutes les misères. J'avais ton âge, les filles me faisaient souffrir. Maintenant que j'ai mon âge, je souffre qu'elles ne me fassent plus souffrir. Tu ne connais pas par hasard une fille d'ici qui s'appelle Kali? Si. Pourquoi? Est-ce qu'elle a un ami en particulier? Pas lui en particulier, fiston. D'où est-ce que tu viens? De l'Oregon. Comment que c'était? Quoi? Chez toi. Joue pas aux cartes? Danse pas. Et bois pas. Je vais te dire, mon gars. C'est pas ce qu'on fait qui empêche de dormir. Mais c'est ce qu'on ne fait pas. Crois-en un vieux bonhomme. Maintenant que mes nerfs sont remis en place, je vais piquer une petite ronflette. À bientôt, fiston. La journée, j'ai espéré que tu reviendrais. Tu t'es sauvé comme ça hier soir? Oh, je sais rien. Je... Peut-être... Ben... Quand j'avais... 12 ans... ou 13 ans, je sais pas... Mon père
m'a surpris avec une fille dans la grange. On ne faisait rien. On s'embrassait un peu, peut-être. Mais tout à coup, j'ai vu pas. Là, sur le seuil. Et il y avait ce fouet de roulier fixé au mur. Eh ben, oh, moi, je me fichais pas mal qu'il me fouette, mais... Il l'a fouettée, elle aussi. Et elle pleurait et cherchait à éviter les coups. Et maintenant, chaque fois qu'il y a une fille, n'importe quelle fille, je ne revois pas. Ou quelqu'un comme lui, qui se tient sur le seuil de la porte. Le mien ne m'a pas fouetté. Il m'a chassé aussi loin qu'il a pu. Pourquoi ? Il n'était pas entré dans la grange. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas aimé quelqu'un là. La neige partout, du vent partout et du froid partout. Tu savais bien comme ce serait. Devenir vitriche, oui, à empoisonner les loups. Je devais être complètement piqué, moi. Ça ne me plaît pas beaucoup plus qu'à toi, tu sais. Mais nous avons 25 pots de buffle qui valent peut-être bien 2 dollars pièce. Et à peu près 100 pots de loup qui valent 5 dollars chacune. Le fric, si ma peau était de la fourrure, tu m'écorcherais vif. Ce n'est pas seulement l'argent que je veux. Pas même un ranch. Je veux que mon nom soit connu de tout le monde. Tu as entendu parler d'un certain Granville Stuart? Et il est parti de rien. Maintenant, c'est un riche propriétaire dans la région de Flat Willow. On le respecte et il a de l'influence en politique. Enfin, tout. Mais s'il y est arrivé, pourquoi pas moi? De chasseur à fermier, de paysan à président. Mais pourquoi pas? Parce que j'ai jamais vu un homme qui avance dans la vie sans marcher sur le corps de quelqu'un. Je préférais puant la misère et pas le loup crevé. La puanteur passera, mais le pognon restera. Oui, mais moi, je resterai pas. J'en ai ma claque. Je fiche le camp, je retourne à Fort Brock. Tu viens avec moi? Pas avant d'avoir eu toutes les peaux que je pourrais avoir. Salut. Ami. Fumer. Boire. Non. À la cabane. Beaucoup fumer, beaucoup boire. Beaucoup de bonnes choses pour ventre vide. Ça, bon cheval, très gras. Non.
que je t'emmène à Fort Brock. T'entends? Faut tout qu'on extrait cette balle. Quel jour sommes-nous? Lundi, mardi, je ne sais pas. Ça va nous prendre longtemps? Un jour ou deux tout au plus. Tom! Les pots! Mais là, t'as pas besoin de t'énerver. Centaines de pots, ils vont nous les voler! Il a fallu que je les laisse. Je ne pouvais pas t'emmener, toi, et les pots en plus. Allez, viens. Oh! Tom, si je meurs, tu voudras m'enterrer sous une roche pour que les loups ne bouffent pas? Boucle-la, tu veux? Tu vivras assez pour mourir riche. C'est Lat. Il est dehors. Il est blessé. Oh. Salement blessé. Oh oui. Que quelqu'un cherche un médecin. Tiens-moi à prendre soin de voilà, lui, si tu veux. Voilà, installez-le ici. Du whisky, Happy. Lat? Non, 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 ne bouge pas. Ne bouge pas. Tu vas salir ta belle robe. Ça m'est égal. Pas à moi. Je l'ai payée. Petit déjeuner. Je vais finir le ménage en bas. C'est ça, Happy. J'ai l'impression que tu reprends du poids. Ma parole, j'ai jamais vu d'homme aussi maigre. Ça, au moins, c'est la belle vie. Petit déjeuner au lit. Un plateau comme ça, ça coûterait combien en restaurant? Oh, ça dépend du genre de restaurant. Kelly, je pars d'ici aujourd'hui. Tu ne peux pas? Pourquoi? Tom travaille, je ne peux pas toujours me laisser entretenir par toi. Mais le docteur a dit qu'il te mais fallait encore une. Je ne comprends pas mal de ce que dit le docteur. Il n'y a qu'un seul genre d'homme qui se laisse entretenir par une femme. Non, Lat. Pourquoi perdre ton temps et ton argent pour moi? Ce n'est pas par charité, Lat. Ça me plaît de m'occuper de toi. Je n'avais encore jamais éprouvé ce sentiment pour personne. Je ne suis pas assez bien pour toi. Il ne s'agit pas de toi, Kelly, mais de moi. Je ne suis pas prêt d'avoir mon ranch à moi, maintenant moins que jamais. Voilà tout un hiver de passé, je ne suis pas plus avancé, je n'ai pas un sou à moi. Tu m'as moi? Dites-moi, monsieur, à qui faut-il que je m'adresse pour un emprunt? Juste derrière vous. Vous venez à la conférence, Marsh? Excusez-moi. On ne restait pas à la porte, entrez. Je m'appelle Evans, Lat Evans. Je sais. Je vous présente le pasteur Van. Enchanté. Monsieur Evans, c'est un fameux jockey. Oh, le seigneur aime les bons cavaliers. Ben, je lui ai donné bien peu d'occasion de m'aimer dernièrement. Aucune importance, mon fils. Il créera l'occasion. Alors, à ce soir. Monsieur Conrad. Si je suis venu vous voir, c'est pour... Asseyez-vous. Ne torturez pas ce chapeau. Alors, que puis-je faire pour vous, Evans? Eh bien, je n'ai pas de travail en ce moment et je n'ai pas d'argent. Et une banque, ça prête de l'argent, je crois. Ah, c'est exact. Une banque prête de l'argent. Et elle donne aussi du travail à quiconque en cherche. Eh bien,
Je ne cherche pas un emploi, monsieur Conrad. Ah, que cherchez-vous? Un ranch. Mouton ou bovin? Bovin. Hmm. On dit que le mouton, c'est de l'or en barre. J'aime mieux les vaches. Vous avez un ranch en vue? Oui, au bord de la rivière Kanzi. De la bonne herbe haute, et l'herbe haute est bien grasse. Je veux te parler un moment, mon oncle. Oh, excusez-moi. Pas tout de suite, mon chou. Dans quelques minutes. J'attendrai dehors. Je ne voudrais pas vous retenir, monsieur, si c'est important. Je vous en prie, c'est ma nièce. Voyez-vous, Evans, une banque n'est pas un champ de course. Oui, nous ne jouons pas, ce n'est pas notre métier. Oh, voyons, monsieur Conrad, vous jouez constamment sur le beau temps, sur la terre, sur le prix du bétail. Je demande un emprunt pour pouvoir démarrer sur une base solide. Un coup d'épaule. Je regrette, Evans, le risque est beaucoup trop gros. Tâchez de vous trouver une garantie. Un lepin de terre, quelque chose qui ait de la valeur. Et puis nous parlerons. En attendant, je serai très heureux de parier sur n'importe quel cheval que vous montrez. Merci. Merci du peu. Je peux voir mon oncle maintenant? Le voir? Il n'y a que le fric qu'on ne voit pas dans cette banque. Là? Est-ce que tu veux boire un peu de café? Non. Que se passe-t-il? Il se passe rien, j'ai bu, c'est tout. Je suis allé à la banque demander un emprunt pour démarrer un ranch. Mais on ne prête pas d'argent dans une banque, à moins d'en avoir. Alors j'ai bu. La dernière fois que j'ai compté, il y avait plus de 2000 dollars là-dedans. Va t'acheter ton ranch, Lat. Mais Kali, ce sont tes économies. Je les place, voilà tout. Oh non, non, je peux pas. Oh, mais tu me les rembourseras. Et si jamais je fais faillite comme mon père? Pas toi, Lat. Peut-être que je ne fais ça que pour te garder près de moi. Eh bien, le voilà, monsieur Conrad. De la bonne herbe grasse, comme je vous le disais. Et je clôturerai le tout de barrière. Barrière? Mais il y aura des pâturages libres dans le Montana plus longtemps que vous ne pourrez vivre. C'est ce que les gens disaient dans l'Oregon autrefois. Il paraît que le bétail se débrouille pas mal ici. On dit que les pâturages naturels sont suffisants, même l'hiver. Mais ce n'est pas vrai. Parce que les vaches maigrissent en hiver. Et il y en a beaucoup trop qui crèvent. Et les veaux viennent au monde minables. Et les bœufs perdent du poids. Et un jour, qui sait, on peut même avoir un hiver rude comme on en voit rarement. Et au printemps, toutes les vaches seront crevées et l'argent prêté perdu. Continuez. Eh bien, voilà mon idée. Je vais faire du fourrage ici. Et pendant les mois d'été, je l'emmagasinerai dans une grange et l'hiver venu, j'en nourrirai mon bétail. Barrière? Fourrage, grange? Dans le Montana? C'est comme ça que je vois l'avenir. 2000 dollars, ça ne fait pas beaucoup de vaches. Ça me fera assez pour démarrer et je n'en demande pas plus. La banque prêtera l'équivalent du prix de cette terre. Oh. Merci. Honnête proposition commerciale. Intérêt 1% par mois. Ce taux facilitera les calculs. Vous n'aurez jamais à le regretter, monsieur Conrad. Oh, un conseil. C'est un vieux bonhomme qui vous le donne, vous pouvez le prendre ou le laisser. Trop de jeunes garçons commencent par être ambitieux. Et souvent, ils perdent leur ambition dans un saloon ou auprès d'une belle fille.
On respecte le nom d'Evans chez moi. Je veux qu'on le respecte autant ici. Parfait. Vous avez obtenu de la banque ce que vous vouliez cette fois, monsieur Evans. Oui, mademoiselle Joyce. Car tous les animaux des forêts sont à moi et toutes les bêtes des montagnes par milliers. Pourquoi pas? Venez à la banque, nous établirons les papiers. Et là! L'affaire est dans le sac, mon vieux! De quoi parles-tu? De l'emprunt, sacrée tête de mule, on a l'argent pour les vaches! Yuppie! Ah oui, mais là, moi, dans tout ça, j'arrive les mains vides. C'est toi qui apportes tout. Nous sommes associés, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je te l'enfonce dans le crâne? Youpi! Toi et moi, on fera marcher à ranch ensemble. Et peut-être qu'on aura Waïté, et Carmichael viendra aussi avec nous s'il cherche de l'embauche. C'est la première fois qu'on veut me prendre comme associé. Comme je disais, tu vivras assez pour mourir riche, pas vrai? Pas vrai? Oh, hein? Un enterrement? Non, à dîner. En ville? Je ne vais pas les manger dans la brousse. Où est Tom? Il est allé voir Jane hier soir. Ça sonne le creux. Je te rapporterai une bouteille. Tu devrais aller voir ce que deviennent les vaches dans le pâturage d'en bas. Elles risquent de sortir de l'enclos. Tu sais, ce qui m'épate, c'est qu'une vache ait pu vivre avant que tu viennes. Il y en a beaucoup qui crevaient. Monsieur Evans, émis comme un prince. Bonsoir, Jules. On va en soirée? Oui, à l'hôtel. Je suis invité à dîner par les Conrad. Paraît que l'hiver a ratiboisé presque tout le monde, sauf toi, Evans. Ah oui? J'ai perdu beaucoup de bétail, et il me manque des chevaux. Voler? On dirait. Si tu désires vendre ce qui reste de ton troupeau, je cherche à acheter quelques têtes. Tu n'en demandes pas trop à ta chance, Evans. Ce sera moi ou la vente aux enchères. Tu m'avais dit un jour que ma chance ne durerait pas. On n'a peut-être pas assez attendu pour savoir. Viens chez moi à la rentrée des bêtes. On verra toujours ton prix. Bonjour, monsieur Strain. Ah, bonjour, monsieur Evans. J'ai du courrier pour vous. Bon. Tenez, voilà. Merci. Une bouteille de whisky. Je paie comptant. Votre crédit est solide. Pas pour du whisky. Bonjour, Lat. Monsieur Strain. Salut, Tom.
Tom. Il me faudrait deux bonnes mesures de farine. Tout de suite. T'es devenu boulanger, Tom? Pas moi, Callie. Oui, elle va te faire un gâteau. Oh, Lat, je dis à Callie que tu comptes rentrer à quelle heure? Ce soir, après le souper. Et voilà, 25 cents. Merci. Merci. Oh, Lat, j'ai encore quelque chose à te dire. Oui? Alors? Ben, vois-tu, on voudrait que vous soyez nos témoins. Comment? Ben, toi et Callie, quoi. Qu'on soit vos témoins? Oui. Vois-tu, Jeanne et moi, nous allons nous marier. Toi et elle? Mais elle trouve que je suis un brave garçon. Tom. Ah, on va faire ça comme il faut. Oui. Si le vieux pasteur Van est en ville, on lui demandera de nous unir. Oh, je sais, je ne possède rien, à part notre association. Et Jeanne, eh ben, elle n'a pas un rond d'économie, mais... Ben, j'imagine qu'à nous deux, ben, nous sommes ensemble et c'est le plus bel atout qu'on puisse avoir. Mais ils sont passés. Bah, je suis pas un modèle de vertu. T'en es pas un non plus, ni toi ni personne. Maintenant, je t'ai posé une question, Lat. Tu veux nous servir de témoin? C'est ce qu'on désire le plus au monde. Tom. Mais enfin, ce n'est qu'une fille. Mariée ou non, pour les gens, elle le restera. Passe. Bigot que tu es, hein? Un lopin de terre, un banquier qui te salue et personne n'est assez respectable pour toi, hein? Et ton pognon qui te l'a donné? Une pute, hein? Tu me fais vomir. Oui, vomir. Allez! Il! Et ton association, tu sais où tu peux te la mettre, hein? Il! Seigneur, merci de nous donner notre pain quotidien. Amen. 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 Ah, poularde à la crème. Notre plat préféré. On ne se lâche jamais de la poularde à la crème. Très peu de crème pour moi, mon oncle. Ah, entendu. Une fortune pour vos pensées. Deux petits ronds, si vous voulez. Deux petits ronds? Oui, deux sous. Ah! Vos pensées ne valent pas plus cher que ça? Je pensais à la façon dont mon père disait les grâces. À la maison? Oui. Je célèbre le culte ce soir, M. Evans. De nouveaux visages réjouissent le Seigneur. Eh bien, j'ai été élevé religieusement. Dieu soit loué. Et veillez à ce qu'il ne se dérobe pas, Joyce. J'aimerais pouvoir parler au jury avec l'énergie que le pasteur déploie contre les pécheurs. Une ville a besoin de trois choses. Un bon pasteur, un bon avocat et une bonne école. Nous en avons deux. Pour avoir une bonne école, il faut un comité d'abord. J'aimerais que vous fassiez partie de ce comité, Lat. Moi? Vous, mon garçon. Mais j'ai pas beaucoup d'instructions. Beaucoup est un mot très relatif. Tout homme capable de tripler son bétail aussi vite que vous l'avez fait, Evans, est suffisamment instruit. Réfléchissez. Mais je vais vous dire une chose. Un homme commence par être propriétaire. Ensuite, lorsqu'il a fait ses preuves, il fait partie du comité de l'école. Et après, qui sait? Tenez, j'ai connu des hommes qui sont devenus députés. Et mieux encore. Là? Tu inviteras bien un monsieur à boire un verre. Il n'y a plus une goutte d'alcool dans la maison. Si tu attends Evans, tu perds ton temps. Pourquoi? Ben, ils offrent des dîners qui n'en finissent pas, les connards. De plus, c'est une jolie fille, cette petite Joyce. Bien élevée, bonne éducation. Elle a fait ses études au collège.
On dirait que je suis le seul à avoir envie de douceur ce soir. Tu sais ce que c'est? Lorsqu'un homme en a été privé pendant longtemps, il en est affamé. Mademoiselle est chiche de ses baisers. Je le suis ce soir. Alors, pas d'histoire. Oh, laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Avec tous mes vœux. Deux petits ronds pour vos pensées. Oh! Eh bien, je pensais acheter encore quelques vaches. Ah. Cet hiver fini, un tas de fermiers sont obligés de vendre, s'ils le peuvent. Ça paraît très injuste. Ce n'est pas moi qui fais le mauvais temps, Joyce. Ne me reprochez pas de ne pas me laisser prendre au dépourvu. Oh, Lat, mais je ne vous reproche rien du tout. J'ai bien mérité de ne plus me faire de soucis. Vous faites bien, car les soucis n'embellissent personne. Je suis si affreux. Comme un sapajou. Mais il se trouve que j'aime bien les sapajous. Voilà, nous y sommes. Chez moi. Bonne nuit, Lat. Quand aurai-je le plaisir de vous revoir? Oh, ça dépend. De quoi? De votre réputation. Voyez-vous, je ne sais pas grand-chose de vous. Qu'aimeriez-vous en savoir? Bien, par exemple, aimez-vous jouer de l'argent? J'y passe ma vie. Invoquez-vous le nom du Seigneur en vain? Souvent. Et violez-vous le sabbat? Les vaches ignorent le dimanche. Quand vous serez dans le comité de l'école, il faudra instruire vos vaches. Merci pour cette soirée, là. Je serai chez moi chaque fois que vous viendrez. Le droit d'être heureuse de te voir. Ben, quand même pas au point d'en pleurer. Pardon de venir si tard, je... J'étais invité à dîner par M. Conrad. Qui y avait-il? Oh, Conrad, sa nièce, Lincoln l'avocat, le pasteur Van. Tu as bien aimé ça, n'est-ce pas? Je crois que oui. Oui. En effet. Mais il y a beaucoup de choses que je n'aime pas, Cali. Oui, quoi? Eh bien... Oh, tout en général. Ma façon de vivre. Parce que tu es venu ici?
J'avais envie de te voir, sans ça, je ne serais pas venu. Mais venir après un dîner avec ces importantes personnes... Monsieur Conrad estime que je devrais faire de la politique et que je devrais faire partie du comité de l'école d'abord. Et tu vas le faire? Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Tu réussiras. Je n'en suis pas tellement sûr. Mais je tenais à te le dire. Tu as l'air de faire ton chemin dans la vie. C'est à toi que je dois mon départ. Mais tu veux être seul à l'arrivée. C'est bien ce que tu essaies de me dire, n'est-ce pas, Lat? Si seulement je pouvais faire quelque chose pour toi. Oh, il n'y a rien que tu puisses faire pour moi. Ce que tu veux, c'est une femme guindée, une maison guindée, une réputation guindée. Et moi, je t'empêche d'avoir tout ça. Eh bien, continue à faire le joli cœur auprès des banquiers, de leur nièce, et tu auras ce que tu veux. Arrête, Cali. Que j'arrête quoi? On ne peut rien arrêter. Tout doit suivre son cours jusqu'à la fin. Tu as peut-être raison. C'est peut-être ça que je veux. Tu vois, je t'ai jamais menti. Mais je te serai toujours reconnaissant. Merci pour ta reconnaissance. Eh bien, tu n'as pas à t'en faire pour moi. Continue à grimper et tu arriveras. Ensemble, nous n'avons réussi à grimper que là-dedans. Non, Cali! Tu as peur? Qu'est-ce qu'il y a qui te chiffonne? Tu t'imagines que ton père va entrer par cette porte avec Cali, un poids à la main? Je t'en prie. Et je te défends d'avoir pitié de moi. Tu penses que je t'épouserai? Jamais je ne me marierai avec toi. Tu penses que je laisserai tout tomber pour faire la femme de ménage dans un ranch de crasseux? Jamais Cali, de la vie, très bien, Barnes. Je m'en vais. Tu ferais mieux, oui. Tu n'as plus aucune raison de traîner ici. Moi, je suis pas guindée. Elle, c'est ton genre, cette petite bigote au rappel. Tu viens au meeting, Tom? Pourquoi faire? Je sais comment c'est fait, les marchands de boniment. Je vois ça, tiens, comme si j'y étais. Mesdames, messieurs et voleurs de chevaux, je vous présente notre futur sénateur, Albert Gallatine Evans. Bravo! Tu veux? Non. Je veux entendre ce que le sénateur a à nous dire. J'aurais quelques questions à lui poser, moi aussi. Maintenant? Non, plus tard ce soir. Je voudrais connaître son opinion politique sur les vols de chevaux. Je vais lui donner une bonne occasion de servir la communauté. Bonsoir, Lat. J.U. et moi, on aimerait bien te parler de quelque chose. Entrez. Asseyez-vous. Ma femme est couchée. Vous voulez une tasse de café? Non, merci, Lat. Les vols ont recommencé cette nuit.
Les talons ont disparu et ils sont venus dans le corral de Jéhu. Il te manque rien, toi? Je surveille mon bétail de près. Bien sûr. Vous n'avez aucune idée de qui ça peut être? Nous ne savons qu'une chose. Ils se planquent au nord dans les collines de Brix. On va aller les surprendre. Quand? À l'aube. C'est pour ça qu'on est là, on vient te chercher pour t'emmener. Là-haut, dans les Brix. Hein? Qui vous fait croire que ces gars sont coupables? Il n'y a pas d'innocents dans les collines de Brix. Ça ne me plaît pas, Franck. Pourquoi? Je vous connais, vous allez tirer à vue. Et alors, ça te défrise? Oui, un peu. Qu'est-ce qu'il te faut, Evans? Un permis délivré par le pasteur? Ça va, j'ai eu, ça va. Lad sait très bien que nous ne faisons que défendre nos biens. C'est son intérêt, à lui aussi. Il n'a pas encore les épaules pour se défendre tout seul. On vole nos chevaux aujourd'hui. Demain, ce sera les tiens. Tout ce que je peux vous dire, c'est attendez. Quoi? D'avoir des preuves. Et alors le shérif Sled s'occupera de l'affaire. Sled dit que les Briggs se trouvent en dehors de sa juridiction. Est-ce qu'ils ont attendu le shérif, les gens de Gold Creek? Ils ont tiré sur les voleurs. Milice civique est le synonyme poli de bande d'assassins, Jéhu. Tu sais, Lat, Jéhu, moi, les autres fermiers, on présente pas mal de voix dans ce territoire. Ça va, t'énerve pas. Écoute-moi, je vais te faire une proposition. On va aller dans les Briggs. On ne tirera pas à moins qu'ils tirent les premiers. Et dès qu'on a des preuves, on les porte au shérif Sled pour qu'il les flanque en prison. Ça te convient? Tu parles au nom de qui? Rhys Walker, McLean, le Suédois, tous ceux qui viennent avec nous. J'irai avec vous. J'étais sûr que tu nous approuverais. Nous ne faisons que ce qu'un homme doit faire pour protéger ce qui lui appartient. Nous nous retrouvons chez moi, avant l'aube. Lat, qu'y a-t-il? Rien du tout. Simplement un petit ennui au ranch de chez nous. Il faut que je sois chez lui avant l'aube. Tu es encore plus jolie la nuit que le jour, tu sais. Oh, Lat, tu es si maigre. Tu travailles trop dur. C'est tout juste si on ne voit pas tes os à travers ta peau. Trim, car la nuit est proche et tu prendras près de moi quelques repos. Tu appelles ça du repos? Et que penses-tu de ce repos? À quoi songes-tu? J'étais en train de songer à quelque chose que mon père nous lisait dans la Bible. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. De quelle partie de la Bible cela vient-il? Les Proverbes. Lat, tu t'es endormi? La cabane est devant, sur la droite. On va y aller à pied. Laissons les chevaux, une bête peut venir. Comment est disposée la cabane? Face à nous, vers le nord. Une porte sur le devant et pas d'issue par où il pourrait fuir. Laissons Gunderson avec les chevaux. Mais je suis bon tireur. Reste avec les chevaux. Il faut que tu contournes la cabane. Fais attention, là.
Allez, sortez de là-dedans. Mon Dieu, ayez pitié. Mais pleurniche pas comme ça, montre que t'es un homme. Tom, vous êtes tous là, hein? Y compris le sénateur. Tous les salauds, tous les pourceaux, les vendus, les pourris. Gueule fort ou pleurniche comme ton copain, nous avons de quoi te calmer. Plus personne là-dedans? Si, Bixby, une balle en pleine gueule. McLean, va voir. Un de moins à pendre. Allez, Mac, va voir dedans. Donne-moi cette corde. Fais un nœud solide, j'ai eu. J'ai pas envie de me foutre la gueule par terre. Liez-lui les mains. Un instant! Tu m'avais promis, Franck. On ne devait pas le pendre, mais l'amener chez le shérif s'il était coupable. S'il l'était? Écoutons ce qu'il a à dire. On sait qu'il est coupable. La ferme! Tom, parle-nous de ces chevaux dans le corral. Ben, ils ont quatre jambes, pas vrai, sénateur? Ils ont été volés. On te donne une dernière chance, Tom. Réponds si tu es innocent. Innocent? Ben ça dépend des gars qui sont dans le jury. Ben, je vais vous dire deux ou trois choses dont je ne suis pas coupable. Ben, j'ai pas prié le dimanche pour acheter des vaches aux rabelles lundi. J'ai pas renié ma parole. J'ai jamais grimpé sur les autres pour réussir. Je prétends pas être meilleur ni plus honnête que les copains. J'ai jamais été un faux frère. Et j'ai jamais fait un dieu du pognon. Bien sûr, je suis innocent. Je suis aussi innocent que vous. Peut-être n'êtes-vous pas innocent. Il a dit vrai. C'est Bixby, une balle en pleine face. La cabane est bourrée de fer à marquer. T'es satisfait maintenant? Jean, jette la corde par-dessus cette branche et amène à cheval. Coupable ou non, tu ne le pendras pas, j'ai eu. Il était convenu qu'on l'amènerait au shérif et qu'il serait jugé et on n'agira pas autrement. C'est toi qui l'emmèneras, sénateur? Oui, c'est moi. Rhys. Oui? Désarme-le. Tu n'as jamais eu l'intention de l'emmener, hein, j'ai eu. On nettoie ces collines une fois pour toutes. Comme tu es venu, ça nous garantit que tu ne diras pas un mot au shérif. Avance. Tu vas être obligé de te servir de ton arme. Allons, Lat. Il nous a dit lui-même que ses chevaux étaient volés. Il a le droit de se faire juger, c'est ce que dit la loi. Allons-nous-en d'ici.
dois aller en ville. Tu crois que tu pourras tenir le coup? Oui. Tu n'as pas à te faire le moindre reproche. Non, mais c'est bien comme Tom disait. De paysan à fermier et de fermier à président. Peut-être bien que j'y arriverai. J'ai attendu toute la journée. Chez Chénaud, on a dit que tu étais parti dans les collines. La femme de Franck croyait que vous étiez allé chasser. C'est exact, oui. On a chassé. Quand je suis revenue, j'ai trouvé un mot pour toi sous la porte. Qui est Kali? C'est une fille que j'ai connue. Le mot dit qu'elle a besoin de toi. Ce n'est pas ce que ça dit? Si. Eh bien, elle a l'habitude, quand elle a des ennuis, de t'envoyer un mot. Elle en a le droit. Le droit? Ah. Tu l'as aimée, cette fille? Le passé est le passé. Oui, bien sûr. Quand l'as-tu connue? À mon arrivée à Fort Brock. Pas dans un patronage, j'imagine. Non, pas dans un patronage. Ah, oh, tu te sentais très seule. Un pauvre cow-boy et elle s'est montrée gentille. Plus que ça. Plus? Il y a 5 ans, elle m'a prêté ses économies pour que je puisse acheter ce ranch. Oh, je vois. Je suis donc sa débitrice aussi. C'est bien ça. Je lui dois tout. Lat. Si jamais tu vas la voir en ville, à ton retour, tu ne me reverras pas. Oh, Joyce. C'est toi que j'aime. Il n'y a pas à revenir sur le passé. Mais j'ai longuement regardé au fond de moi-même aujourd'hui. Et ce que j'y ai vu ne me plaît pas. Ce que je suis devenu me plaît encore moins. C'est pour ça qu'il faut que j'aille la voir. Tu aimes encore cette fille? Tu sais très bien que non. Mais je reste toujours son débiteur. Je lui dois le droit, quand elle a besoin d'aide, de faire appel à moi. Comment pourrais-je te croire? Pourquoi voudrais-tu la voir maintenant si tu ne l'as jamais revue? Comment savoir qu'elle ne t'a pas envoyé d'autres mots pour d'autres motifs? Il va falloir que tu me croies sur parole. Entrez, monsieur Ladd, je vous attendais. Où est-elle? Dans sa chambre. Ce n'est pas elle qui a écrit ce mot, monsieur Ladd. Je l'ai écrit. Toi? Le seul à qui elle pouvait s'adresser, c'est à vous, monsieur Ladd. Elle a G.U. Je suis sorti de sa vie maintenant. Monsieur G.U. C'est une ordure. Il est venu au début de l'après-midi, il était de mauvais poil. Lui et mademoiselle Kali étaient dans le salon, ils buvaient. Elle boit beaucoup en ce moment, mademoiselle Kali. Personne ne peut l'en empêcher. J'étais dehors sur le pas de la porte, juste pour prendre un peu l'air, quand j'ai entendu monsieur G.U. qui sacrait. Je suis vite rentré, et il lui flanquait des coups. Elle s'est enfermée là-haut dans sa chambre, et elle ne veut plus descendre. Elle ne fait pas le moindre bruit. Au fond, tout ça, c'est la faute à personne. Ça vaudrait peut-être beaucoup mieux pour elle qu'elle quitte la ville, parce que ce patelin lui a causé que de la malchance. Je voudrais te parler. C'était pas la peine de venir jusqu'ici pour avoir ma voix. T'en fais pas, je voterai pour toi aux élections. Happy, Dick. G.U. t'a frappé.
Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Kelly, ouvre-moi. Il m'a dit qu'ils avaient pendu Tom Pink. C'est vrai? Oui. Tu y étais? Oui. Et j'ai traité Jéhu de menteur. Kelly. Ça ne lui a pas plu que je le traite de menteur. Kelly, ouvre cette porte! Où vas-tu? Cherchez Jéhu. N'y va pas. Tu ne me dois plus rien du tout. Tu m'as remboursé. Là, ce qui m'arrive n'a aucune importance. Après Jéhu, ce sera quelqu'un d'autre. Je ne vaux pas la peine qu'on prenne un risque pour moi. Rentre chez toi, où est ta place. Non, Kelly. Je ne peux pas rentrer encore. Bonsoir, Lac. Encore de la pluie en perspective. Peut-être bien. On m'a raconté qu'à Helena, toutes les rues étaient pavées, c'est vrai? C'est ce qu'on raconte. Ils ont un opéra aussi, et le gaz d'éclairage. Ça va drôlement vous changer la vie à toi et à ta bourgeoise. Vous fréquenterez les gens de la haute, des gens puissants. Je n'oublierai jamais le jour où tu es arrivé à Fort Brock, toi et ce gars du Texas. Comment s'appelait-il déjà? Butler. Oui, Butler. Tout ce que tu avais, c'était un cheval. C'est exact. Vois-tu, dans la vie, un gars, il doit toujours savoir ce qu'il veut. Et s'arranger pour l'obtenir. Mais il n'y a que ça qui compte. Avoir ce qu'on veut. C'est pour ça que tout le monde t'admire. Ce que tu as voulu, là, tu l'as eu. Ah si, j'ai réussi. C'est bien ça, Georges. C'est ça. On n'admire jamais les ratés. Il y en a beaucoup trop ici-bas. Et il faut pas que tu te fasses de mauvais sang pour ma voix. C'est comme s'il était dans l'urne, mon bulletin de vote. Bonne nuit, Lat. Bonne nuit, Georges. Où allez-vous? Ici. J'ai quelque chose à régler avec Jay. Oh, ne faites pas l'idiot. Joyce est à la maison avec le petit. Venez avec moi. Cette femme ne vaut pas la peine de faire ce que vous avez l'intention de faire. Vous croyez? Aucune femme de son espèce. Abandonnez tout espoir de faire quelque chose pour elle. Vous ne pourriez que gâcher votre propre vie. Si elle est embêtée, donnez-lui de l'argent. De l'argent? Avec de l'argent, tout s'arrange, n'est-ce pas? Vous avez tout l'avenir devant vous. Mais si vous entrez là, votre situation politique est finie. Tout ce que vous réussirez à faire, ce sera de vous couler. Possible. Pour la dernière fois, Lat, rentrez avec moi. Non. Salut, sénateur. Tiens, on cherchait un pigeon. T'es dans le coup? À quoi jouez-vous? Au poker. Je veux bien jouer. Verse à boire au sénateur, Swede. Ne verse pas de cette bouteille. Il ne te plaît donc pas, mon whisky, sénateur? Je ne bois pas la même bouteille qu'un homme qui se permet de frapper une femme. Les rois. J'ouvre de 5. Je suis. Sénateur.
J'y vais. Est-ce que c'est ton pognon, sénateur? Ou est-ce la dot d'une traînée? Je passe. Moi aussi. Sweet. Verse à boire au sénateur. Verse de cette bouteille. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai peut-être besoin d'être instruite comme des vaches. Mais avec moi, ça peut demander un peu plus longtemps. J'ai dit à Lincoln que j'irai témoigner au procès de Cali. Ce ne sera pas bien agréable. Ça lui sera utile? Link pense que oui. Ce que tu diras sera vrai. Oui. Alors tu témoigneras.
as froid. Rentrons chez nous.